on va apprendre ce matin un secret pour avoir une bonne parnassa d'après le Ben Ishraï. Donc dans la parasha de cette semaine, la Torah nous dit « Va'avatem et Hashem Elokechem ». Vous servirez Hashem, votre Dieu, ou verach et l'armecha vet memecha, et il bénira ton pain et tes eaux. Nir ali besiata dishmaya, il me semble, avec l'aide de Dieu, comme toujours commence le Ben Ishraï, nir ali besiata dishmaya, de yadua, il est su, d'achachamenu zichonam libracha darshu, que nos sages de mémoire bénie, darshu, ont enseigné, ont expliqué, dans ma sechet ta'anit, d'avbet amoudalef. Avoda, que la Torah, dans cette parasha de cette semaine, on vient de le voir, parasha Mishpatim, nous dit « Va'avatem, vous servirez ». C'est quoi le service ? C'est du temps. C'est ? C'est du temps. Non, on a la Torah, donc non. On n'a pas encore la Torah. On vient de recevoir la Torah, mais quand on parle de service, on ne parle pas que du Kohen. On parle pas « Vous servirez Hachem, votre Dieu ». Comment je fais pour servir Hachem ? Alors la Gemara dit « Avoda ». C'est en fait comme... Regardez, non, tout simplement regardez la Gemara. « Avoda, zotefila ». Le service dont parle Dieu, vous servirez Hachem votre Dieu, Zotefila, dit la Gemara, c'est la prière. Plus précisément, à chaque fois qu'on voit marquer Tefila dans la Torah, ou dans la Gemara plutôt, ou dans la Halakha, c'est toujours Amida. Tefila, c'est Amida. Quelqu'un qui est arrivé à 7h du matin à l'office, qui a tout fait, mais qui est arrivé jusqu'à la Amida, il a fait Shema, il a fait Orshama, il a fait tout, il n'a pas fait cette Tefila. La Tefila, c'est la Amida. Donc, la Gemara nous dit, qu'est-ce que c'est Avoda, le service, vous servirez Hachem votre Dieu, Zotefila, c'est la Amida, qui y Avoda chez Balev, car la Amida, elle est le service qui est fait par le cœur. Et voilà, le Ben Ishraï va commencer à développer, Ve'i Shacharit Mincha Arvit. Shacharit Mincha Arvit. Et maintenant, avant le secret Bezrat Hashem, Bechol Achat, et dans chacune d'elles, de ces Amidot, Yesh Yutet Brachot Ba'amida. Il y a 19 bénédictions. Alors c'est vrai que l'Amida, on l'appelle le Shemoneh Esrei, les 18, mais on avait expliqué une fois que dans l'histoire, on a rajouté une 19e, c'est celle qui fait référence aux renégats et on va dire même aux réformés, ou en tout cas aux autres sectes, quand avec l'émergence du christianisme, les Chachamim ont eu peur, que les Bnei Israël se perdent, ils ont instauré cette Tefila, pour cette Bracha, pour vérifier qui fait partie, qui a abandonné, qui n'a pas abandonné. La minim, la machinim, alti, tikva, vechol, azim, kregaï, vedou. Et de cette façon-là, lorsqu'on entendait quelqu'un qui disait cette amida, ça veut dire cette bracha, ça veut dire qu'il... Ah, c'était assez instinctif. C'était assez instinctif, il était bon. Si donc, quand on continue à faire l'amida quand même... Ah oui, prier, mais il croyait autre chose aussi. Donc la minim, la machinim va être instaurée pour être sûr d'avoir un minyan kasher. Mais malgré tout, on a quand même gardé l'appellation des 18 brachot, sachant donc, du coup, qu'il y en a en réalité 19. C'est 18 plus 1. Donc, Bechol Achat, Yesh, Yutet Brachot. Dans chacune de ces amidot, il y a 19 bénédictions. Aré Sachakol, ce qui va donner donc Sachakol, la somme de tout ça, ça donne Zan Berachot. 57 Berachot. À la fin de la journée. 19 fois 3. Keminyan, c'est le même nombre que Dagan. Dagan, c'est le blé. Dalet, 4. Gimel, 3, ça fait 7. Et Noun, 50, 57. Et voilà, dit le Ben Ishraï, qui a lié des chaloches tefilotes, grâce à ces trois amidotes, Yéchefa Parnassa et Israël. Il y aura l'abondance et la subsistance pour Israël. Kayadoua, comme il est connu, chez Parnassa, que la subsistance, Telouya Béchaloche Tefilot Israël, dépend des trois tefilotes d'Israël. C'est énorme ce que dit le Ben Ishraï ici. La Parnassa dépend des trois amidotes, point barre. Vélazé Amar, c'est pourquoi il a dit le prophète dans Hoshéa, chapitre 14, verset 8, Yechayu Dagan veyifrichu Chagafen. Yechayu Dagan, ils feront vivre le blé. C'est très étonnant cette affirmation, mais on comprend maintenant. Yechayu Dagan, ils feront vivre le blé veyifrichu Chagafen et ils fructifieront comme la vigne, comme le raisin. Ça veut dire quoi, ils feront vivre le blé? C'est eux qui vont donner raison à la Parnassa d'être. Comment? Par les trois amidotes, Shacharit, Mincha et Arvit. Voilà, Veifrechou, et ils fleuriront. Voilà, on va dire, c'est plutôt fleurir. Chagafen comme une vigne. Donc il faut imaginer cette vigne pleine de raisins juteux, qui est la conclusion de cette Parnassa qui est arrivée. Grâce à quoi? Grâce à ces trois tefilotes. Veyadoua, et il est connu également, Kishem, que le nom d'Hachem, El Yudkevavke, Avaya, c'est Yudkevavke. El Yudkevavke ensemble,
Parce qu'on va voir qu'on sait que chaque nom de Dieu a une fonction bien précise. Elle, on l'appelle Chesed Gamour. Quand Dieu agit dans le monde avec une bonté la plus profonde, la plus puissante, il utilise le nom de Elle. Le nom de Yud Kei Vav Kei, le nom ineffable qu'on n'a pas le droit de prononcer, aussi représente la miséricorde. Ces deux noms reliés, Elle, Yud Kei Vav Kei, Olé, Zan, vaut la valeur numérique de 57. Maintenant, Zan, ça veut dire quoi? Zan. Zan. Birkat Amazon, Baurat Hashem, Azan et Akol. Celui qui nourrit. Donc on voit que même cette valeur numérique 57 veut dire Zan. C'est celui qui donne, la parnasa. Celui qui nourrit. Donc le nom de El plus Yud Kei Vav Kei, ensemble réunis, forme le mot Zan. Urmoshe Katouv, comme il est écrit dans les Tehilim, psaume 118, verset 27, El Adonai vayer lanu. El Hashem, vous avez vu la contraction des deux, vayer lanu, c'est ça qui nous éclaire. Donc en d'autres termes, c'est le fait d'invoquer, et on va voir par rapport à la tefila, le Hashem de cette manière-là, El Yudke Vavke, crée la parnassa pour moi. Et la meilleure façon d'invoquer ce nom, on va voir, ça va être les trois amidotes. Regardez comment c'est beau. Veshemot El Avaya et la contraction de ces deux noms de Dieu, El plus Yud Kei Vav Kei et Nirmazim sont mis en allusion Beotiot Ochel dans les lettres qui forment le mot Ochel. C'est quoi Ochel? La nourriture. La nourriture. Comment? Parce que chez M Otiot El Chavav Yud Kei Vav Kei, la lettre, le nom d'Hashem Yud Kei Vav Kei, c'est quoi sa valeur numérique? 26 en hébreu, c'est la lettre Chav, la lettre Vav. J'associe le mot El, le nom El à côté, parce qu'on a dit qu'il faut associer le El ou le Kevavke, ça fait Ochel. Il y a deux éléments. Non, c'est pas 27, ça fait le mot El. Si El, ça fait 31. Ah, 31 et 27. Oui, mais non seulement ça fait Zan, mais le mot Ochel, ça veut dire manger. Oui, mais c'est aussi. Et ça, oui, ça fait 57. Pourquoi? Parce que tu prends dans le mot Ochel, le Chaf et le Vav, c'est le Yud Kevavke, c'est 26. De le mot Ochel. Ah. Ça fait 26. Et t'as le Aleph et le Lamed qui fait le mot El. C'est un anagramme. Exactement. Donc on veut te dire ici. Exactement, c'est pas dans le même ordre. Mais ce que veut dire ici le Banishraï, c'est que quand tu contractes ces deux noms et que tu adresses cette filote avec cette kavana de diriger ta prière vers El Yud Kei Vav Kei, tu fais descendre le Ochel sur toi. Chez M Otiot, El Kaf Vav, qui sont les lettres, donc El et Kaf Vav, ce qui va donner Ochel. J'ai compris les... Parce que Ochel, c'est Aleph, tu l'as ici, Aleph. Après, tu as le Vav, mais là, il est en fin. Après, tu as le Chaf, il est avant-dernier, et le Lamed, il est deuxième. Oui, mais quel rapport avec le Chavav? C'est ça l'idée. Ah. C'est que Yud Kei Vav Kei, ça vaut 26. Ouais. 26, comment t'écris 26 en hébreu? Chaf, parce que Chaf, ça va dans le numérique, c'est 20. Là, c'est déjà Ochel, c'est 27. Pourquoi tu rentres là-dedans? Pourquoi 27? C'est 57 aussi, Ochel. Oui. Aleph, oui, mais c'est Vav, c'est 7. Oui. Chaf, 20. Oui, oui. Et Lamed, 30. Mais elle et Yud Kei Vav Kei, ça fait aussi ça, ça fait. Je suis d'accord, mais pourquoi tu rentres dans le système de je prends O, je le. Non, parce qu'on veut te montrer que l'association de ces deux noms, c'est ça qui va te donner ta nourriture. Ochel, ça veut dire manger. D'accord. Mais c'est aussi 57, c'est pour ça que. Et ça, oui, c'est ça l'idée, c'est aussi 57. Donc, en fait, Ochel, c'est la contraction de El et Chavav, Chavav Yud Kei Vav Kei, c'est ce qui va donner le Zan, et Zan, c'est 57. Comment est-ce qu'on va atteindre cette bracha de la parnassa? Par la tfila. Par les trois amidot qui, somme toute, font 19 brachot par amida fois 3. Ça fait 57, ça fait Ochel, ça fait El Yud Kei Vav Kei. Des mitpar Shem Havaya, voilà le Ben Ishraï, il explique, car le nombre, le numéro du nom de Havaya, je donne la deuxième colonne, ouais. C'est quoi? C'est Chavav. Chavav, ça fait 26. Et VM Chassadim Gemurim, et ce nom indique sur Chassadim Gemurim, les bienfaits les plus profonds, les plus puissants d'Hachem. Chez VM, car ce sont ces deux Yud Kei Vav Kei, Nishma, Parnassa Tova, que afflue du ciel une Parnassa énorme, Tova. Pas Parnassa simplement, Parnassa Tova, dans la largesse. Dainu, et voilà qui va, il va donc encore plus préciser. Vaïnou, c'est-à-dire, Bizrut Zan Brachot, par le mérite des 57 Brachot, entre parenthèses Zan, donc c'est aussi, ça veut dire nourriture,
par le mérite des 57 brachot shel shalosh tefilot, des trois amidot, yitorer hashefa, s'éveille l'abondance, min el avaya, de ces deux noms d'Hachem, qui représentent chassadim gimurim, la bienveillance, la miséricorde, la bonté par excellence. Sheolé, dont la valeur, Sheolé Misparam, dont la valeur numérique était Chaim, dont la valeur numérique est égale à Zahan. Donc quand un homme fait ses trois tfilotes tous les jours, Shacharit, Mincha, Arvit, il dit ses 57 brachot, il réveille en haut la fonction de ses deux noms d'Hachem, El Avaya. Donc automatiquement, et il déverse sur lui l'abondance. Ou basé Yuvan. Et par cela, on va comprendre Bessiata d'Ishmaïa avec l'aide d'Hachem, Remez Akatouv, l'allusion que fait le verset toujours dans Tehilim, psaume 144, verset 13. Le roi David dit Mes avenu meleim mefikim mizan elzan. Mes avenu meleim, nos greniers sont pleins. Mefikim, ils regorgent, mizan elzan, de nourriture en nourriture. Vous vous rendez compte, c'est bracha, de dire ça? Nos greniers sont pleins et ils regorgent de zan. On va de zan en zan. Ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'à chaque jour qui passe, Hachem y rajoute. Il rajoute zan, et encore zan, et encore zan. Pourquoi? Parce que tu as fait les zan. C'est ça le remès, dit Ben Ishraï, du roi David dans ce verset. Nos greniers sont pleins et en plus, ils continuent de regorger de zan en zan. Chez Bekoach zan berachot, par la force de ces 57 berachot, namshir, on attire, shefa, l'abondance, mishemot el avaya, donc de ces deux noms, contractés, el plus yud ke vav ke, shem misparzan, qui valent, comme on l'a dit, le numéro 57. C'est important le 57, hein. D'ailleurs, je vous donne un petit secret aussi du Ben Ishraï. Quand vous faites la tfila, parce que ça marche en semaine, mais le Shabbat, il n'y a pas de 9 brachot. Il y a 7 brachot le Shabbat. Donc il y a le mot 50 plus. Même on n'arrive pas à 57. Ouais, non, c'est vrai. Alors c'est vrai que la bracha elle est donnée que Shabbat particulièrement, quoi qu'il arrive, Hachem il donne la parnassa. C'est pas les repas qu'on fait. Non mais par rapport à la Amida, comment ce soir il faut. Alors c'est vrai que là, je me rappelle mon maître, le Rav Hadjaj, il disait que quand on fait motzi au kiddush, c'est le seul moment où on ne doit pas lever les bras. On juste on se lève. Pourquoi? Parce que quand tu lèves les mains. Ah, c'est-à-dire que tu as un plor entre guillemets. Donne-moi la bracha. Mais or, comme Shabbat, t'as l'île à la bracha. Donc ça voudrait dire que finalement, t'as pas tant de mouna que ça au niveau de la bracha. Parce que. C'est toi qui en as, je le fais comme ça. Hachem, il te donne. Donc n'ouvre pas les bras. Donc je m'appelle le Rav. Vous voulez que j'ai levé Shabbat? Juste on lève. Donc le Rav, il me disait Shabbat, n'ouvre pas parce que c'est comme si Hachem, il te donne des millions et tu dis, mais donne-moi. Tu regardes, c'est devant toi la bracha. Et donc, du Shabbat, il n'y a pas besoin de faire potéar en ouvrir. Parce que le potéar, il appelle. Mais là, comme elle est là, donc. Mais malgré tout, cette amida, on ne la fait pas 3 fois 19. Qu'est-ce qu'il dit le Ben Ishraï? Et ça, c'est très intéressant, vous retiendrez ça, Bezrat Hashem. Vous avez vu que le Shabbat, on dit. Van Chilenu, bien Shabbat. Non, Van Chilenu. Ah non, amida. De l'amida. Quand tu prends par exemple le Arvit de vendredi soir, alors c'est vrai que les livres se contredisent, mais n'ont pas tous la même version et on ne sait pas. Exactement, beau, bam, va, qu'est-ce que c'est? Par exemple, vendredi soir, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, effectivement, Ve'anchilenu, Hachem, Lokenu, Ba'avavratson, Shabbat, Kotchecha, Ve'anuchu, va. Il y a marqué vendredi soir, va. Ve'anuchu, va, Kol Israël, Mekadeshé, Shemecha. Ensuite, tu prends Shachari du matin, Ve'anuchu, va. Et Vo, Shacharit le matin, c'est plus va. Et dans Mincha de l'après-midi, on met Moussaf de côté, c'est une prière à part, c'est Bam, veut dire Shabbetot, que tu rêves une Rouvam. Pourquoi est-ce qu'on a changé entre chaque? Dis-le Ben Ishraï, si il faut faire comme ça, qu'il y en a qui disent soit que va, soit que Vam, soit que Vo. Quand tu prends le verre numérique de Vo, vendredi, de va, pardon, vendredi soir, bête. Ensuite Shacharit, Vo. Et ensuite Vam, Mincha après-midi, ça fait 57. Il dit, c'est une ségoula pour la parnassa, même pour la semaine, t'appelles la bracha de Shabbat pour qu'elle continue dans la semaine. Fais attention à dire va. Même si t'as pas les 57. Les 57 exactement. Hachem, il le met là, ouais. Dit le Ben Ishraï. On a dit que va, c'était pour la femme, parce que c'était fatigué vendredi soir.
Ah, c'est joli, ça. Parce que l'homme se lève le matin. Oh, c'est joli, ça. Et va, parce que c'est tout le monde, on va dire. Magnifique. Le samedi matin, c'est pas ce qu'il a du mal à digérer, non? C'est beau, c'est très très beau, ça. Bah, c'est bien de compléter avec ça, c'est magnifique. Ouais. Quand il parle ici de filah, on a dit c'est Amida. Amida. C'est sûr. Maintenant, t'es contraint, c'est Yachid, ça compte? Ça fait quelque chose quoi qu'il arrive, c'est sûr que ça fait de l'effet. Mais ce sera pas le même effet que quand t'es Béminian. Ah, sûr. Ouais. C'est-à-dire qu'il va déverser sur toi une parnassa certaine, ouais. Mais il met une parnassa quand t'es en groupe avec des gens qui disent c'est autre chose. Ouais. C'est dur. Mais. En hiver, c'est dur. Enfin, votre Aminian, tu parles. Ouais. Mais en tout cas, voilà ce qu'il faut retenir, donc cette idée des 57. Et c'est pourquoi le Ben Yishraï dit, ou Bazé, ou Van, et par cela on va comprendre, Bessiata, Dishmaï, avec l'aide d'Hachem. Un verset qui se trouve dans Shoftim, dans les prophètes, les juges. Mina Ochel, Yatsa Ma'achal. Littéralement, Mina Ochel, de celui qui mange, Yatsa Ma'achal sort l'aliment. Ça veut dire quoi ça? En d'autres termes, du mangeur sort l'aliment. Hein? Mais non, mais maintenant, il ne faut pas comprendre dans le sens qu'on a dit. C'est qui Ochel? On a dit c'est elle. C'est elle. Plus Yudke Vavke. C'est de elle, Yudke Vavke, que sort la bracha. Bombard! Ne cherche pas une autre direction. Le Rav Rida, il dit pourquoi des fois on fait des tefilotes et on voit pas la réponse. Comment ça se fait? Ça fait des années que tu pries pour une chose et tu la vois pas la chose. C'est ce qu'il répond le Rav Rida, il dit tout simplement parce que tu t'adresses pas au bon nom d'Hachem. Mmh. C'est comme si t'avais mal aux dents et t'allais voir un ophtalmo. Et ou inversement. D'accord, c'est un médecin. Mais c'est pas sa spécialité. Alors c'est vrai qu'Hachem c'est Yudke Vavke, mais après il s'habille de noms différents pour bien cibler ta demande. Donc si tu demandes il a parnassa, pense au nom d'Hachem qui est là pour ça. Et c'est ce qu'il te dit, Mina Ochel. C'est du Ochel que sort la parnassa. C'est quoi l'Ochel on a vu? C'est elle plus Yudke Vavke. Comme il y a un nom pour la Rifou Hachelema, comme il y a un nom pour plein de choses. Pour la protection, etc. C'est ce qu'on va dire ici. Mina ochel yatsama achal. C'est du ochel que sort l'aliment, la nourriture. Comme on l'a dit, ochel, c'est el kafvav. El yudke vavke. Kelomar, c'est-à-dire, min el avaya, c'est de el et yudke vavke, shemitorim aliedezan berachot shet shalosh tefilot. Ce qu'on va éveiller, donc par les 57 brachot, de ces trois amidot, donc yatsama achal va sortir la parnasa. C'est tout. Shem parnasa d'Israël. Velazé Amar, c'est pourquoi maintenant dans notre paracha, qu'est-ce qu'on a dit? Va'avatem et Hachem Elokechem, vous servirez Hachem votre Dieu. On a dit c'est quoi le service? Zotefila, c'est la Amida. Shiyesh Bazel Brachot, dans laquelle il y a 57 Brachot, donc dans les trois réunis. Et la suite du verset, Va'alidechem, et grâce à cela, Uberach et Lachmecha, Vetmecha, Hachem bénira ton pain.